Léo est un génie. C'est un génie. Un génie. C'est un génie, Messi. C'est le meilleur joueur du monde, point final. L'histoire d'amour entre le Barça et Messi ne s'arrêtera jamais. C'est un diamant. Un monstre, selon moi. Il est complet. Le meilleur joueur du monde, à mon humble opinion. Pour nous, c'est un héros. Pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Le meilleur joueur de tous les temps. Il a un don spécial. C'est le meilleur joueur que j'ai jamais vu. Ce gamin est un extraterrestre. Il est illuminé. J'adorerais être à sa place pendant 5 secondes. Pour connaître cette sensation. Je m'appelle Lionel Messi, j'ai 13 ans. Je joue avant-centre. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Entrez, je vous en prie. Merci. Regardez, voilà Cruyff. Merci. Le patron de l'Orange Mécanique de 1974. Le meilleur joueur hollandais. Elle nous invite? Ah, Valdano. Le champion du monde 1986. Cruyff a été une révolution. D'abord parce que c'était un joueur fantastique, et ensuite comme entraîneur. Quand il entrait sur le terrain, c'était du délire. Comme Menotti, ici. J'y crois pas. Menotti le maigre. C'est génial. C'était mon idole. L'entraîneur de 78. Quand as-tu rencontré Léo pour la première fois, Johan? C'était un gamin. C'est vrai? Presque un enfant. Ton premier souvenir? J'étais en maternelle. Le spectacle. Le spectacle? Le carnaval en maternelle. Il était en pompier. Regardez cette photo. Oui, je me souviens d'eux. Dommage, j'ai pas mes lunettes. Et soit en sixième. On dirait plutôt qu'il est en CM1. Oui, je crois que c'est ça. C'est Cynthia, non? Incroyable. Il y a aussi Walter. Regardez. C'était un spectacle d'école. Vous avez la même tête? J'adore les photos où on est tous les quatre quand on est bébé. Nos mères étaient si jeunes. Elles avaient notre âge. T'as apporté 250 000 photos? Il était minuscule. Il était en pompier et moi en demoiselle. Il était déguisé en escargot? Non, pas cette fois. Il était en escargot au CP. Au CP? Ça, c'est la maternelle. Il était en escargot dans un spectacle en 93? Eh oui. Le joueur le plus rapide du monde en escargot? J'avais jamais fait le rapprochement. On avait mis en scène un conte. Je me souviens, c'était un enfer de faire participer Lionel. Il se cachait dans son costume. Il était tellement mignon. C'est vrai. C'était vraiment un chouette spectacle. Tout le monde a adoré. J'étais en grillon. Et toi? En papillon. Le lutin rouge? Le lutin rouge. J'étais en lutin. Les enfants s'étaient débrouillés seuls. On avait fait du beau travail. Lionel avait beaucoup participé. C'est un souvenir de la journée des enseignants. Les enfants nous avaient apporté des fleurs et des cadeaux. Ce jour-là, Léo était allé chez sa grand-mère et il avait détruit toutes les plantes en jouant avec Pablo. Ce sont presque uniquement de bons souvenirs, parce qu'on était toujours ensemble. Tu te souviens, en maternelle, à la récré? Léo s'emparait du ballon n'importe où. Impossible de le récupérer. Les autres enfants disaient « Maîtresse, donnez-nous un autre ballon. On ne peut pas jouer avec un seul. » Comment ça s'est passé? Comment as-tu commencé à jouer? J'ai joué dans un club du quartier. Il paraît qu'il a commencé grâce à sa grand-mère. Oui, je crois que c'est vrai. C'est elle qui l'a fait jouer. C'est elle qui l'a initié. Je m'en souviens très bien. Sa grand-mère maternelle ou paternelle? Je ne sais plus. Sa grand-mère maternelle, non? Je suis impatiente que tu aies 4 ans pour pouvoir t'emmener au football. Tu auras envie d'y aller tous les jours. Quand tu verras comme tes frères s'amusent bien, tu voudras t'inscrire. Mais tu dois attendre encore 2 ans. Comme Rodrigo et Mathias? Exactement. Parce que tu es tout petit et qu'ils sont grands. Mais dans 2 ans, tu pourras jouer comme tes frères. Il paraît que son frère Rodrigo jouait très bien. Vraiment? En fait, c'est Rodrigo qui a commencé et Lionel allait le voir jouer. Tu sais quoi? Tu seras meilleur qu'eux. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais à quoi tu penses. Ta petite tête est un mystère. Et écoute-moi bien, mon petit chéri. Tu vas devenir le plus grand joueur du monde. On y va? Quel club de quartier? Grandoli. Léo! Je crois que l'entraîneur de Rodrigo... L'a vu. L'a vu, mais je ne connais pas bien l'histoire. Il faudrait qu'il nous la raconte. Oui, ce serait bien. Vous savez ce qui se passe? Il manque un joueur à Grandoli. Cet idiot ne s'est pas réveillé. Je peux plus attendre. Le match va commencer.
Vous êtes prêts? Oui, on est prêts. Quels idiots. Mamie, je peux jouer? Tu veux jouer? Oui. Je ne sais pas trop ce qu'elle a dit à l'entraîneur de Grandoli. Écoutez-moi, mon petit-fils veut jouer. Non, ils sont trop grands pour lui. Qui sait jouer au foot? Lui, et très bien. Il était tellement petit que personne ne croyait en lui. Je sais pas, il est petit. Tu as quel âge? Presque 6 ans. Il court comme une fusée. Tu sais faire quoi? Tout. T'es rapide? Je vais te mettre sur l'aile. Allez, enfile ce maillot et viens jouer. Allez, bonhomme, dépêche-toi, file! C'est le plus jeune des Messi? Si il joue comme ses frères, on a peut-être une chance. Vas-y, Léo, montre-leur! Montre-leur! Allez! Il a le ballon. C'est vraiment votre petit-fils? Bien joué, Léo! Il l'a engagé et ça a été du délire. Dès qu'il récupérait le ballon, il passait plusieurs joueurs. Quand il était à Grandoli, je jouais à Horizonte. Je suis plus âgé et je jouais dans la catégorie supérieure. Il jouait comme un dieu. Il passait tout le monde. Vous pouvez l'amener tous les après-midi à l'entraînement? Les autres apprendront quelque chose. Quand Rodrigo, Mathias et tous les grands étaient là-bas, ils ne nous laissaient pas jouer, et Léo non plus. Mais Léo en avait tellement envie qu'il le laissait jouer. Il disait, ne laissez pas Léo jouer, il est trop petit, on risque de le blesser. Mais plus tard, ils ont avoué que c'était pour éviter la honte de se faire dribbler par Léo. Léo! La fameuse grand-mère. L'histoire de la grand-mère, elle l'a encouragée. Quand la cloche sonnait, il était transformé. Il attendait la récré pour sortir avec le ballon et se mesurer aux autres classes. Ils se battaient tous pour l'avoir. Viens avec moi, viens avec moi. Bien sûr. Impossible de gagner sans lui. Ceux qui choisissaient Léo gagnaient. On les privait du ballon parce que ça provoquait des disputes. C'est vrai. Quand on ne lui donnait pas le ballon, il prenait une bouteille en plastique. Il prenait des sacs qu'il bourrait de papier. Il fallait qu'il joue. Il a fini par fabriquer avec des chiffons un très beau ballon qui a bien résisté. Il aimait jouer à tous les jeux, mais l'école ne l'intéressait pas beaucoup. Oui, il aimait d'autres choses. Il avait d'autres centres d'intérêt. S'il vous plaît, ne me faites pas apprendre des maths ou de l'espagnol. Laissez-moi jouer au foot. Mais s'il avait voulu, il aurait pu étudier. Personne n'a dit le contraire. Mais on avait un mal de chien à le faire travailler en classe. Je me souviens que Célia l'avait menacé de lui interdire de jouer au foot s'il ne faisait pas ses devoirs et s'il ne prenait pas son bain. Léo disait qu'il avait fait ses devoirs, que tout était OK. Merci, Cynthia. Il s'asseyait toujours devant moi. Et il donnait un coup de pied dans ma chaise quand il voulait quelque chose. Il faisait une boulette de papier et il la lançait. On n'a jamais rien vu. Pas sur le coup, en tout cas. Ils étaient voisins. Ils étaient très amis. Comme frères et sœurs. On était si proches qu'on pensait qu'on était cousins. Elle s'occupait de tout. Il lui demandait tout. Il utilisait sa voisine de pupitre comme interprète avec le prof. Elle était comme sa mère ou sa grande sœur. Quand Célia devait s'absenter, elle le déposait chez moi et maman l'allaitait. Une fois, on m'a laissée chez elle et c'est elle qui m'a allaitée. Il y a un mot pour ça. Comme mère. Non, comme... Ils étaient frères de lait. Frères de lait, oui. Oui, frères de lait. Et ouais. Dans notre quartier, quand les rues étaient inondées, quand les égouts débordaient, on avait de l'eau jusqu'aux genoux. On jouait au foot dans la fange, en risquant une infection. Mon frère a 1 an de plus que moi. Je me souviens de notre équipe, la machine de 87. Quand on entrait sur le terrain, on était la seule équipe à recevoir des bouts de papier. On n'allait pas directement au milieu du terrain. On se mettait en ligne sur le côté. Oui, sur le côté. Et les pères de Mathias, de Raoul et d'autres nous jetaient du papier. On avait l'impression de jouer devant 50 000 personnes. Tu jouais à quel poste? J'étais milieu, avant-centre, avec lui. Il te laissait marquer ou il faisait tout? Il me passait pas grand-chose, mais bon... T'étais plus défensif. Je la lui prenais et je marquais aussi. Parfois, il te la piquait. Quand on avait un problème, on lui passait le ballon et il trouvait une solution. Comment tu t'appelles? Diego Rovira. De quelle équipe?
Les Newells. Tu peux nous raconter ton but? Sur un coup franc, Mariano Miro a passé à Léo. Il a centré et j'ai marqué. À qui veux-tu dédier ce championnat, Diego? À tous les gens que je connais. J'ai toujours dit que je marquais souvent parce qu'il éloignait les défenseurs. C'était plus facile pour les 1 contre 1. On était très gâtés parce qu'on marquait beaucoup, mais ensuite, c'est devenu plus difficile. Le problème, c'est que quand on gagnait 2-1 ou 3-1 ou 3-2, c'était trop déprimant. Comment tu t'appelles? Gerardo Grini. Ton club préféré? River. Avec Léo, on gagnait 7-0 ou 8 ou 9 sans Léo, 2 ou 3-1. Une fois, on a gagné 16-0, tu te souviens? On marquait tous des buts. Un jour, on a marqué tellement de buts qu'ils nous ont dit « Vous allez jouer les uns contre les autres. Les Newells de la première mi-temps contre les Newells de la deuxième mi-temps. » Il était timide avec les inconnus, mais dans notre petit groupe, il était toujours génial. C'était un pitre. Il faisait partie de la bande. Ton nom et ton prénom? Franco Casanova. De quelle équipe? Les Newells. À qui tu dédies ce but? À tous ceux que je connais. On savait tous que c'était notre chef naturel. Il s'emparait toujours du ballon et il nous faisait gagner nos matchs. C'était un chef silencieux. Je l'ai gardé jusqu'à 11 ans, ensuite c'est lui qui l'a pris. J'étais pas là. Mais voilà la machine, avec Dominguez. Franco, moi, Léo, Lucas. En 99. Diego. Je suis arrivé en survêtement rouge et avec un sac rouge. Il m'a tapé dans la main en disant « C'est toi le Père Noël ?» Il cachait les chaussures de foot. Il me faisait le coup tout le temps. C'est toujours lui qui était à l'origine des farces. Je me suis aperçu que j'avais oublié mes clés de voiture ou que je les avais perdues. Impossible de les retrouver, le match allait commencer. Je suis allé chercher les garçons au vestiaire, j'ai ouvert la porte et Léo m'a fait... Vous avez perdu vos clés? C'est pas vrai. Il les avait? Il était d'un tel sérieux que je me suis dit, voilà un sacré farceur. Vous ne me laissiez jamais jouer. J'étais toujours mise à l'écart. Léo grimpait dans un effilier pour attraper les fruits ou il cueillait des mûres. Il passait tous les étés dans les arbres. Si petit, si calme. Il était très timide. Il était très brave. Ce qui m'a toujours plu, c'est qu'il n'était jamais méchant, jamais sournois. Il était timide et réservé. C'est vrai. Je ne crois pas qu'il avait un problème relationnel avec ses parents. Peut-être avec les adultes, mais pas avec ses parents. Souvent, les tournois offraient des vélos aux vainqueurs. Tu te souviens, Franco, de celui du vélo? On perdait 2-0 et Lionel n'était toujours pas arrivé. Il jouait pour le vélo? Un seul vélo? Non, un chacun. Ah, 11 vélos. Ouais, c'est ça. Après le premier prix, il y avait les deuxième et troisième prix. Mais nous, on voulait les vélos. Papa! Je vais être en retard pour le match! Il s'était enfermé dans la salle de bain. Ouais, je m'en souviens. News All Boys forma con los siguientes jugadores. Con el 1, Juan Leguizamón. Con el 2, Mariano Miró. Bruno Milanese con el 3. Con el 4, Héctor Correa. El 5 para Lucas Escaglia. El 6, Federico Rosso. Franco Casanova con el 8. Diego Rovira con el 9. Gerardo Grigini con el 10. Y Lionel Messi con el 11. T'es passé. T'es une star, petit. Fermez-la, c'est la finale et on est en train de perdre. Si on perd, c'est votre faute. On perd 2-0, Léo. Une photo. Une photo. Pablito, applique-toi sur tes frappes. Il reste combien? 20 minutes, Léo. Arbitre, changement, changement. Vous allez la fermer. Pablito, viens ici. Le gardien est nul sur les tirs au ras du sol. D'accord? Allez, allez, vas-y. Son père l'emmenait jouer, mais il ne se mêlait jamais aux autres parents. C'était quelqu'un de calme. Il se plaçait derrière les cages pour regarder jouer son fils. Mais quand il ne marquait pas, il allait poser la balle devant le gardien et il le driblait. Quand il ne marquait pas, il devenait fou. Il a marqué à tous les matchs. Il voulait tout le temps récupérer le ballon, un peu comme aujourd'hui. Il n'a pas changé. Ouais, sinon il s'ennuie. Comme si on lui enlevait son jouet. Petit, il était pareil. S'il n'était pas sur le terrain, il devenait fou. À 9 ans, un enfant a envie de jouer, sinon il devient dingue. C'est un acteur d'une histoire qui est la nôtre. Messi aurait-il pu apparaître en Corée? Non, ni en Allemagne. Il paraît qu'il arrivait souvent en retard et qu'il sauvait le match. Tu te souviens comment on était content? Léo était complètement différent sur le terrain et hors du terrain.
J'en reviens pas du troisième but. Il est entré 20 minutes avant la fin et il a retourné le match. Ils l'ont fait rentrer et il a marqué à la chaîne. But, but, but. C'est un champion. Ils n'auraient pas pu te donner un vélo plus grand? Laisse-le. Tu fais toujours la même blague. Comment t'es sorti de la maison? Sainte Vierge, qu'est-ce qui s'est passé? On gagnait tellement qu'on a été invité au Pérou. Ce maillot, c'était pendant le Pérou. À Cantalao. C'est un tournoi auquel on a participé au Pérou quand on avait 8 ans. On logeait dans des familles, à 2 ou 3 garçons par famille. Il a aussi un style Rosario. Beaucoup de dribbles, beaucoup de petits ponts. Il donne l'exemple à tous les joueurs. Il tire le meilleur de chacun. Tu te sens en confiance? Quand il te passe le ballon, tu sens que tu dois bien faire. On était motivés. Voilà l'équipe. C'était typiquement la façon de jouer de Léo. On a gagné tous nos matchs et on a fini champion. Il était impressionnant. Tout le monde venait le voir. Il était exceptionnel. Petit, il était vraiment très, très, très fragile. Il était minuscule. Ce gamin les rendait tous fous. Hors du terrain, il payait pas de mine. On ne tirera rien de ce gosse. On ne sait même pas s'il va grandir et ce qu'il va devenir. Oui, il est allé consulter un endocrinologue à Rosario. Je l'ai vu pour la première fois à 9 ans en 97. Bien, comme nous l'avions évoqué la dernière fois et comme nous le soupçonnions, les analyses confirment une déficience en hormones de croissance. Qu'est-ce que ça veut dire, docteur? Qu'il manque à Léo une hormone dont il a besoin pour grandir normalement. Il ne grandira plus? Si on ne commence pas un traitement maintenant, il aura beaucoup de difficultés à grandir normalement. D'accord, mais quel traitement? Il s'agit d'injections avec une seringue qui ressemble à un stylo. C'est très facile à utiliser. C'est ce qu'utilisent les diabétiques. Il s'injectera chaque jour une dose d'hormone. Mais c'est un traitement agressif, non? Ce sont des injections, mais l'aiguille est très fine. C'est presque sans douleur, mais c'est cher. On essaiera de faire rembourser le traitement par la sécurité sociale. Est-ce que je pourrais encore jouer au football? Bien sûr, quelle question. C'était toujours toi le plus petit sur le terrain, non? Sois tranquille, tu vas grandir et tu seras plus grand que Maradona. Je ne sais pas si tu seras meilleur, mais tu seras plus grand, c'est certain. Quand j'allais le chercher, il disait toujours « Attends-moi une seconde, j'arrive, j'arrive ». On allait tous chez moi après le foot, et Léo disparaissait tout de suite. Quand il restait dormir chez moi, il devait prendre son matériel d'injection. Il se piquait tout seul. C'est vraiment courageux à 10 ou 11 ans. Sa mère nous avait raconté qu'il avait appris à se piquer pour pouvoir partir en voyage scolaire. On ne faisait pas toute une histoire avec ce traitement. Tout le monde était au courant. Quand on vous propose de traiter votre enfant pour qu'il grandisse, j'imagine qu'on doit avoir des doutes. Il devait être très inquiet. Ça fait peur. C'est risqué. Mais ils ont pris la décision et ça a été une réussite. Toutes les mamans du monde veulent le bien de leur enfant. Oui, c'est vrai. Et c'est ce qu'elle a voulu pour Lionel, c'est certain. Léo, préviens-moi quand tu fais ça. C'est bon, maman, j'ai fini. Tu ne veux pas que je t'aide? Non, tout va bien. Je vais me doucher. Quand il revenait, il disait « J'ai dû me piquer pour le traitement ». Il utilisait ceci. C'est avec ça que Messi est devenu Messi? Non. Certains prétendent qu'il est une star grâce à ce traitement. Je le prescrirai à mon propre fils sans hésiter. S'il n'avait pas reçu ce traitement, même avec autant de talent, est-ce qu'il aurait eu les mêmes chances? Non, je crois pas. Qui sait? Sur les dernières photos, il faisait une tête de plus que moi. C'est incroyable comme il avait grandi. Il savait que c'était dans son intérêt? Tous ceux qui connaissent ces impasses savent que les voitures n'y circulent pas parce que les jeunes jouent au foot. Ces impasses jouent un grand rôle dans l'histoire de ces jeunes. Cela a dû jouer un rôle dans sa capacité à gérer les situations tendues et les conflits. Parce que Rosario est une ville extrême. Extrême en tout. Footballistiquement, elle est incroyable. Les autres villes ont une image culturelle, non? À Rosario, ce qui compte le plus, c'est le football. Rosario adore le football. Léo a le foot de rue dans la peau et il l'aura toute sa vie. Voilà ce qu'il distingue. Exactement. C'est ça la différence. Voilà la différence. Quelle que soit la quantité d'hormones qu'on donne à un enfant, il grandira en fonction de ce que lui disent ses gènes. On s'est juste contenté de guérir une maladie. Hé, Minus,
Tu peux pas te balader ici tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Hey, t'entends ce que je te dis? Il est à toi ce vélo? Tu veux pas me le prêter un peu, que je joue avec? Du calme, Martine. Alors, le bébé va appeler sa maman en pleurant? Plutôt pleurer que d'être une poule mouillée comme toi. Vas-y, répète. Et en plus, t'es sourd. Rosario, le Che Guevara de Rosario. La tête dure, un cabochard. Je sais. Quelle heure est-il? Aucune idée. Il doit jouer dehors. Ah, vraiment, ce gamin? Je ne comprends pas qu'il ne soit pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Léo, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est des grands, ils m'ont volé mon vélo. J'arrive pas à le croire. Ils ont cassé mes médicaments. Comment c'est arrivé? Ils se sont moqués de moi. Ils se sont moqués de toi? Si on se moque de toi, tu baisses la tête et tu continues à marcher. Ils se moquaient de ma taille. Lionel, grâce à ça, tu vas pouvoir grandir. Tu comprends? Tu ne peux pas perdre tes doses dès que quelqu'un se moque de toi. Tu sais combien ça coûte? Ça va, ça va. Ils t'ont fait mal. Est-ce qu'ils t'ont blessé? Non, maman. T'inquiète pas, ils se sont enfuis. Le traitement a duré pendant toute sa phase de croissance. Au début du traitement, il mesurait 1m24, 1m25. Aujourd'hui, il fait moins d'1m70. Il doit pas être loin. Disons 1m68. Sûrement moins d'1m70. Il mesure 1m69. Il a grandi de 40 cm. Voyons combien tu mesures. Tiens-toi bien droit, ne triche pas. Descends. C'est formidable. Tu as encore un peu grandi. Oui, pour devenir joueur de foot. C'est bien. Tu as joué dimanche? Oui, on a gagné. Tu as marqué des buts? Oui. Combien? 3. Alors tu veux donc devenir footballeur, comme qui? Comme Tata. Comme Tata? Et Emma. Tu vas jouer avec New Wales? Oui. Tu marqueras pour moi? Oui, je vous le dédicacerai. Génial. Tu m'en dois un? Oui. Allez, file. Il t'a dédié un but? Non, mais il m'en doit un. Je veux qu'il le marque sur la pelouse de New Wales. Sur la pelouse de New Wales? Pour l'instant, qu'il se fasse plaisir. On verra ça plus tard. Viene a buscarla también Rosso. Rosso le deja Messi. Arranca Messi dejando a uno en el camino. Va a probar el arco. Proba Messi. Gol! J'habitais à 3 rues de la pension. Il venait chez moi boire du lait. Lui, Léo, Lucas Calia, Reri et on jouait à la PlayStation. Léo n'était pas très bon à la PlayStation. Non, non. Aujourd'hui, il dit que oui. Il savait pas comment. Il était pas bon à la PS. À l'époque, il était carrément mauvais. Non, non, non. Je me souviens qu'on jouait à FIFA 94 et 95. Sur la Family? Non, sur la Sega. Il l'éteignait, tu t'en souviens? Quand il perdait, il allait l'éteindre. Il était mauvais perdant. Il l'éteignait. Il était mauvais perdant à la PlayStation et à la Sega. C'était pareil chez Luca. Tu fais quoi, Luca? Le grand Léo. Où sont tes parents? Ils sont sortis. On se fait une Coupe du Monde? Pas une Coupe du Monde. On joue chacun pour soi. Allez. Si vous voulez perdre. On met les maillots? Non, ma mère sera furieuse. Pourquoi? Parce que vous les salissez. Allez, s'il te plaît. C'est pas pareil sans les maillots. Je veux celui de Madrid. C'est moi qui prends Madrid. C'est le seul qu'il a jamais porté. Il l'enlevait seulement en partant. Il était dingue de Barcelone. Il les adorait. À l'époque, il y avait Kluivert et Rivaldo. Rivaldo. Et Franck de Gour. Il est tout seul. Prends-la. Prends-la. Fonce. Allez, va sur le ballon. Vas-y. Pep Guardiola attaque. Bicyclette, tipon, but. Allez. Un de plus. Salut. Salut, ça va? C'est Antonella, ma cousine qui habite au-dessus. Vous voulez manger? On attend une pizza. But! But? Mais quel but, idiot! Quelle tête faisait Léo quand il a vu Antonella? Une tête d'amoureux. Qui est tombé amoureux? C'est lui en premier. Il a eu du mal? Il a ramé. Ah, il a ramé! Il l'a rencontré quand il avait 11 ans. Il la connaissait déjà. Il a fini par épouser sa petite amie de Rosario. Ça en dit long sur sa personnalité. C'est clair. Alors qu'on pourrait le voir dans les pages People des magazines du monde entier. Mais il revient en New Wales parce que c'est un gars loyal. Regardez, c'est notre voyage scolaire de 6e. On a le DVD de notre voyage scolaire. Ça va être génial! Oh! Voilà le meilleur buteur! On est les meilleurs, on a gagné! Là? C'est moi.
Voilà Walter. Voilà Léo. Et là, c'est Léo. Cynthia, on était où, là? C'est moi qui passe, là. Je me rappelle de la tête de Walter quand il conduisait. Je me cognais partout. Il allait à fond, accident, à fond, accident. Il connaissait que le tricycle. Ils ont fait un reportage sur lui à 12 ans quand je l'entraînais. Comment tu t'appelles? Lionel Messi. C'est toi le meilleur joueur du match, tu savais ça? Non. Il raconte son but. Le deuxième but. Le deuxième, raconte-moi. Federico Rosso tire, et Righini la passe à Luca, Luca me la passe en retrait et je marque. Tu as marqué deux buts, c'est ça? À qui dédies-tu ce championnat? À mon père, à mon oncle, à toute ma famille et à tous mes amis. À toute sa famille. À toute sa famille. Connaissant son père, je ne crois pas qu'on lui ait jamais dit « Tu dois faire ci, tu dois faire ça ». Non, c'est naturel. Roré est comme ça. Ya hizo el tiro de esquina, dejó Leo Messi para acá, el jugador Jiménez, Jiménez para Messi, le pegó al arco, le dio la pelota en el palo, uy, qué cerca estuvo. Jorge, en octobre 99, est venu près de la clôture du terrain numéro 2 où on s'entraînait. Quand je lui ai dit bonjour, il m'a dit « Profitez bien des deux prochains mois ». Oui, je me souviens. Je lui ai demandé « Pourquoi ?» Il m'a dit « Profitez-en parce que je l'emmène ailleurs ». Je l'ai regardé et je lui ai dit « Où est-ce que vous l'emmenez ?» Léo était imbattable. Surtout, ne l'emmenez pas à Central. Heureusement, il est parti. Pourquoi il est parti? Je ne me souviens plus si c'était un problème de sécurité sociale ou un problème d'emploi. Il faudrait appeler Messi pour lui demander ce qui s'est vraiment passé. Mon père allait se retrouver sans travail et on allait avoir des difficultés. Il ne pouvait plus payer les médicaments, ce qui était crucial. Sinon, il serait resté petit pour toujours. Deux clubs n'ont pas pu financer le traitement. Newell's et River. Ils ont aussi essayé avec River. Il me semble. Ils ont essayé avec River? Oui, à Buenos Aires. La famille a dit que Newell ne prenait pas en charge le traitement. Lopez a dû s'ouvrir les veines, non? Que River ne pouvait en payer que la moitié. Exact. Il était tellement petit que les dirigeants ont dû penser qu'il n'avait aucun avenir. En Argentine, la situation politico-économique, c'était... C'était le foutoir. La dévaluation, la pacification. La sécurité sociale avait des problèmes pour lui fournir régulièrement son traitement. Le père de Léo est allé frapper aux portes pour que les clubs argentins financent son traitement. Jorge s'est senti désemparé. Il a voulu emmener Léo pour montrer sa colère. Dans ce club, on avait un champion avec un avenir très prometteur et il ne pouvait pas l'aider. Les seuls qui ont pris le risque de l'aider, c'est Barcelone. Célia nous en a parlé à l'école. Elle a dit « Ses parents ne peuvent plus payer le traitement et le club non plus ». Oui. C'était très cher. Alors quand le représentant du Barça est arrivé, le père a dit « Il a décidé, c'est bon, on y va ». Si Léo était resté en Argentine, je ne sais pas s'il serait devenu ce qu'il est. Non. Ils sont partis seuls. Léo et son papa. Il était si petit. La famille est restée. Il est parti à 13 ans. Je me souviens encore du jour où il est parti. Je suis allée lui dire au revoir. J'étais en retard. Le jour où il est parti, ils nous ont coupé l'électricité pendant 3 jours. Non, la panne a duré 5 jours. En tout cas, c'était très émouvant. Parce qu'il avait un lien très fort avec ceux de son quartier. C'était horrible. Je me souviens que tout le monde pleurait. Lui aussi, il pleurait. Évidemment. Je suis très triste. Mais joyeux en même temps, à cause de l'endroit où je vais jouer. Ça ne te plaît pas, Léo? Allez, souris. Léo, souris. Allez. On va aller se promener. Peigne-toi, fais-le pour ta mère. Allez, s'il te plaît. Oui, c'est ça, peigne-toi comme ça. Oh, t'es tellement lent. Tu comptes jouer aussi lentement, dis-moi. Quand t'étais à Newell's, t'étais avec tes amis. Tu t'es senti nerveux ici? Comment t'as vécu tes premiers entraînements? Les premiers jours, j'étais un peu nerveux. Mais ensuite, je me suis adapté. Quand il est arrivé en même temps que moi, à 13 ans, au centre de la Masia, il était très mal à l'aise. Les premiers jours, dans le vestiaire, Léo s'est assis à l'écart de tous les autres. Ça va? T'as parlé avec quelqu'un? Non. Juste un petit peu avec un garçon. Qu'est-ce qu'il fait là, le petit? Je pense que c'est un fugueur. Et non, c'est demain les essais pour les ramasseurs de balles. Il s'asseyait dans un coin
Et il observait les autres. Un petit coin, d'où on voyait tout. À la périphérie. Ensuite, il s'est senti plus à l'aise. Qu'est-ce que tu fais à l'entraînement ? Je travaille avec le ballon, je tire des buts, je travaille avec les cônes, on fait des 1 contre 1, et après, on fait un match. Comment tu t'appelles ? Messi. Messi ? Il était très fragile, ce n'était qu'un enfant. Il était incroyablement petit et aussi incroyablement bon. Je me souviens d'une anecdote. L'entraîneur nous avait dit « Ménagez-le, il est fragile, vous allez le tuer ». Il était intouchable. On répondait « Pas de souci », mais c'est parce qu'on n'arrivait pas à le rattraper. La première fois que j'ai vu Léo, il avait 13 ans, et je me suis demandé s'il était capable de devenir professionnel. C'est toujours la grande inconnue. Des gamins super doués qui dribblent 6 adversaires et te mettent 20 buts, j'en ai vu beaucoup. J'ai vu disparaître une quantité de grands joueurs. C'est bien, continue. Vas-y, fais des têtes, allez. Allô ? Ce garçon me plaît beaucoup, il est incroyable. Bien, et alors ? J'en ai parlé avec les dirigeants. Merci, ciao. Génial. On va fêter ça ? Ouais ? Ce gamin est un champion, croyez-moi. C'est un champion aujourd'hui, mais quand les autres le dépasseront ? Alors financez son traitement. Tu sais combien ça coûte ? Et si on paye et qu'il n'y a pas de résultat ? Vous devez le voir. C'est vraiment le meilleur que j'ai jamais vu. Si on le laisse passer, on le regrettera toute notre vie. Certains s'opposaient à cette idée, alors que d'autres étaient impressionnés. On est un club de foot, pas une ONG. On ne voit pas ça à son âge. Normalement, ça vient à 17 ou 18 ans. Dans quelques années, ce sera trop tard. Ce gamin finira dans un des 5 meilleurs clubs européens. Qu'est-ce que tu as fait à Barcelone les premiers jours ? On a visité tout Barcelone. Reschak voulait voir ses essais, mais Reschak était absent. Il était en déplacement. Il devait revenir des Jeux Olympiques. C'était difficile pour ce garçon de devoir attendre une réponse. Ils ont attendu dans un hôtel que le Barça les appelle, mais ils n'appelaient pas. Ils passaient toute leur journée dans l'hôtel à regarder par la fenêtre. Ça fait 2 semaines qu'on attend. C'est un peu long, non ? C'est difficile pour le club de prendre un tel risque. D'accord, mais qu'est-ce qu'ils veulent de plus ? J'ai quitté mon travail à Rosario pour venir ici, mon fils est séparé de sa famille. Il y a beaucoup de problèmes. Le contrat est compliqué, ça prend du temps. Le traitement est plus cher que prévu, et il faut loger toute votre famille. Puisque c'est si compliqué, alors on s'en va. Ciao. Écoutez, si ça tenait qu'à moi, je signerai demain. Je vais parler au vice-président, vous aurez la réponse dans quelques jours. Les Jeux Olympiques ont tout retardé, mais il a continué à jouer. Qu'est-ce que tu as le plus admiré ? Le stade de Barcelone. Pour son père, c'était peut-être plus difficile. Léo, je n'ai jamais remarqué qu'il en souffrait. Le seul match pour lequel Léo a reconnu qu'il était nerveux, c'est un match test avec des garçons plus âgés de 2 ans. Reschak l'a vu. C'est un ancien joueur de Barcelone. Il était directeur sportif. Exact. Que fait ce gamin ici ? Lequel ? Lui, il devrait pas jouer en junior ? C'est le fameux gamin. Il vient juste d'avoir 13 ans, mais il a une déficience en hormones de croissance. On doit financer son traitement, mais rien ne garantit le résultat. Bon. Vas-y, vas-y ! La défense ! Appelle le club. Dis-leur qu'il nous faut ce gamin à n'importe quel prix. Il faut être dingue pour voir Messi pendant un test et ne pas comprendre qu'il est génial. J'ai fait signer un contrat à Léo. Quand il a fallu remplir la case observation, j'ai indiqué « petit Maradona ». Parce qu'il était comme lui. Gaucher, la tête basse, droit au but, la verticalité, la vitesse. La rapidité d'exécution. Il avait tout ça. C'était un petit Maradona. Je n'avais aucun doute là-dessus. Parle-moi de Barcelone. D'abord, quand as-tu découvert que tu avais une chance ? Et ensuite, comment se passe l'entraînement au club ? C'était génial. D'être là, de jouer à Barcelone, le plus grand club du monde, c'était fantastique. Léo est arrivé le premier. Ensuite, Mathias est venu. Oui, les uns après les autres. Je me souviens que quand Mathias est parti, le grand-père nous a emmenés dans son pick-up. Mathias a crié au grand-père « Arrête, arrête !» Il est descendu pour embrasser l'angle de la rue.
Il a dit ciao et il est parti. Ce quartier avait quelque chose de spécial. On s'en va, mais on revient toujours. On est tous restés. Il est spécial. Pendant un moment, on s'est retrouvés dans une situation, comment dire, anormale. Il était à Barcelone, sa famille était installée ici, mais les papiers n'arrivaient pas. Léo et Jorge étaient les seuls à avoir un permis de séjour. Il m'a dit que sa famille avait vécu des moments difficiles. Il trouvait aussi la langue pas simple. Il lui apprenait le catalan. Bon. Je m'appelle Maria. Et j'ai 9 ans et je viens d'Argentine. Bien. En catalan? El meu nom es Maria. Dic nou Ani. I soc. Je ne sais pas et je m'en fiche. Oui, je sais. Mais la FIFA, que dit la FIFA? J'en sais rien. Insistez. La solution ne va pas arriver toute seule. Discutez, mettez-leur la pression. D'accord, d'accord, d'accord. On en reparlera demain. Ils n'ont toujours pas parlé à Newell's, tu le crois? On est là depuis 4 mois et Léo n'a toujours aucun contrat. Tu réalises ce que c'est que de s'entraîner tous les jours sans pouvoir participer au championnat? Bien. Tu crois vraiment que ça a un sens de rester ici? Comment ça, un sens? Tu vois dans quel état on est. On est tous perdus. Loin de la famille, de la maison, de nos amis. Maria n'arrive pas à apprendre le catalan. Elle va perdre un an d'école. Mathias ne va pas bien. Sa fiancée lui manque. C'est pas possible. Je sais que c'est un milieu difficile, que c'est dur de négocier. Et même si Léo est doué, il y a beaucoup trop de choses qui nous échappent ici. Pourquoi tu ne restes pas avec lui? Tu m'entends? Pense aux garçons. Ce sont ses frères. Laisse-moi parler à Léo. D'accord? Je vais voir ce qu'il en dit. Ah, t'es là. J'étais en train de parler avec ta mère. J'ai envie de jouer à Barcelone. Très bien. Je resterai ici avec toi. Je suis content d'être revenu. Je dois encore tenir le rythme. Son objectif, c'était de jouer à Barcelone. Et il a tout misé là-dessus. Il était gonflé. Je vais réussir à Barcelone. Je reste. Célia, sa mère, est rentrée et Jorge est resté avec lui. Ça l'a anéanti. Mais il avait la conviction qu'il réussirait. Il te regardait et il disait « Je vais devenir le meilleur ». Si on demande à Léo quel a été le pire moment de toute cette histoire incroyable qu'il a vécue, c'est celui-ci. C'est sûr. C'était ni les injections, ni quand la sélection l'a critiqué, ni quand Pekerman ne l'a pas sélectionné contre l'Allemagne. Il dira que le pire moment a été la séparation d'avec sa famille. Il s'est senti un peu responsable du fait que Jorge était ici et Célia là-bas. Personne ne pouvait lui assurer que ça marcherait. Au bout d'un an, ils te disent « retourne chez toi ». Je crois que sa mère faisait des allers-retours depuis l'Argentine. Mais son père est toujours resté ici, à Barcelone. J'ai vécu la même expérience. Je suis parti en Angleterre à 17 ans et je m'y suis senti complètement seul. Et malgré mes 17 ans, j'ai aussi beaucoup souffert. Mais bon, quand on voit le résultat, on a bien fait de venir. Il n'habitait pas au centre de la Masia, mais avec son père dans un très grand appartement. Il a fallu une année pour que son père sache s'il était pris ou pas. Pourquoi? La procédure pour établir les papiers a été assez laborieuse. Nous, on sera tous rentrés au pays au bout de 6 mois, parce que l'autorisation de transfert de Newell's n'arrivait pas. Ensuite, il y a eu la blessure au péroné, la blessure à la cheville en descendant les escaliers chez lui. En revenant d'Argentine, il était assis dans l'avion à l'aéroport d'Ezeiza, et il a commencé à pleurer à côté de Jorge. On s'est vu une seconde fois et on a préparé un contrat qui prévoyait déjà une carrière de 7 à 8 ans. J'ai pensé, on signe pour des centaines de milliers de pesetas. C'était encore les pesetas. C'est délirant pour un garçon de 13 ans. Allez, champion! Il a un problème? Sa famille est rentrée en Argentine. Les autres dirigeants m'ont dit, c'est de la folie. On devait vraiment être un peu fou, autrement on n'aurait jamais donné notre aval à un tel projet. Il était tellement petit qu'ils l'ont descendu d'une catégorie. Il était en junior A avec nous et ils l'ont mis en junior B.
Quand il a débuté au Barça, avec les juniors, un jour, le Barça a gagné 14 à 1. Il a marqué 3 ou 4 buts. Il a dit, ils m'ont attendu tellement longtemps, je suis là depuis un an, je vais leur montrer. Au cours du deuxième match officiel, il s'est blessé. Il s'est cassé la jambe. Pendant un match, il a pris un coup. Il est reparti en ambulance. Quand on allait au cybercafé, l'internet se coupait et la conversation s'arrêtait en plein milieu. C'était dur d'être aussi éloigné. J'ai perdu le contact. Il a tout laissé derrière lui pour recommencer là-bas. Oui, il était en pleine adolescence. C'était difficile de quitter ses amis. Il a commencé le traitement à 9 ans et il l'a terminé en Espagne. De temps en temps, il ne s'entraînait pas parce qu'il avait reçu son injection. Le médecin venait nous dire « Léo ne s'entraînera pas, il a eu une injection hier ». Il a connu une progression sportive fulgurante. Je manque d'endurance et de vitesse. Je suis vite fatigué. Arriver à dépasser les cadets espagnols A, c'est mon grand rêve. C'est super. J'ai marqué 5 buts. J'espère en marquer d'autres. Au début, entre la blessure et le reste, c'était difficile. Mais maintenant, je me sens bien. Quand il est rentré d'Espagne, Léo était beaucoup plus musclé, beaucoup plus grand. Un impact contre lui, c'est comme avec quelqu'un d'1m85. On ne peut plus le faire bouger. Une force physique incroyable. On voyait tous ses muscles. Du muscle, de la fibre. On a vu les progrès en puissance, en vitesse, en rythme. Personne n'est aussi explosif que lui. Il a développé ses qualités physiques avec du temps et du travail. Il a travaillé un peu sa force, ses quadriceps pour l'explosivité. Super viril. Oh oui. Je lui ai dit, c'est dingue comme t'es viril. Il était devenu un homme. Un jour, en le voyant jouer dans le centre, je l'ai pris pour un cadet. Ils lui ont fracturé la pommette. D'un coup de coude. Il s'est mis à pleurer, pas à cause de sa pommette brisée, mais parce qu'il pensait rater la finale du championnat de Catalogne. Et finalement, il a joué avec le masque de Puyol. Il lui avait dit, si le masque te gêne, on te sort. Mais oui, bien sûr. Il a commencé à jouer, il transpirait, le masque bougeait. Le masque de Puyol qu'il avait emprunté. Il a enlevé son masque et il a joué sans. Son père Jorge a failli en faire une attaque. Il a gagné le match et il est parti. Messi, tout d'abord, c'est un diamant. Un des plus beaux. Il a ensuite trouvé des gens qui l'ont taillé pour qu'il brille. Il n'a pas été terni par des idiots. Certains joueurs sont ternis par des dirigeants stupides. Ça en dit long sur ceux qui l'ont dirigé. On est devant la vision de quelqu'un capable de dire « on va en discuter », même si c'est contraire aux habitudes. C'est ce qui s'est passé avec Rechac et Cruyff, qui ont su dépasser les blocages et créer la pierre philosophale. Jouer le ballon et contrôler le terrain, attaquer quand on peut, ralentir quand il faut récupérer. Toutes ces choses-là. Ça a commencé avec Cruyff. Léo a profité au Barça de conditions qu'il n'aurait jamais eues dans la majorité des autres clubs du monde, même en étant le meilleur joueur du monde, aucun doute là-dessus. Allez, premier entraînement de l'année. Je veux vous voir sur les ballons. Vous vous êtes reposé, vous rentrez de vacances. Maintenant, il faut vous mettre les piles et retrouver rapidement la forme. Allez, 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 allez. Vous êtes monté d'une catégorie. Vous allez en baver. Arrêtez d'applaudir. Allez, au boulot. Léo jouait dans l'équipe B du Barça. Et Frank Rijkaard m'a demandé s'il pouvait m'emprunter quelques joueurs pour un match amical à Asantas contre Porto. Il était très respectueux, il m'a dit « C'est toi qui décides ». J'ai répondu « Il y a ceux-là et il y a Messi ». Il m'a regardé, il m'a demandé « Qui c'est Messi ?» Salut. Salut. C'est lui, c'est ça ? Rijkaard était un entraîneur qui faisait confiance aux jeunes. Il les incorporait dans son équipe. Il prenait Messi, Iniesta et les autres. Et il l'a choisi. Ça doit être quelque chose quand on a 16 ans de jouer pour Barcelone, non ? Mathias, viens voir, c'est Léo. C'est Léo ? Tais-toi un peu. Je commence mercredi dans l'équipe première, maman. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il va débuter dans l'équipe première. Comment ça, débuter ? Allez, raconte, idiot. Passe-le-moi. Passe-le-moi ? Bien sûr qu'on va venir, tu fais quand même tes débuts. On a tout acheté pour partir, t'en fais pas. On va venir, sois tranquille. Quand je l'ai vu débuter, je crois que c'était contre Porto. Le match avec le maillot gris, c'est ça ?
Avec le maillot gris. Le maillot brun. Oui, le brun. Avec le numéro 14. Ma mère m'a crié, Diego, Léo va rentrer. J'ai fait tous les papiers aujourd'hui. J'espère que je pourrai être sélectionné. J'en ai très envie. Est-ce une légende ou la réalité? Est-ce que Vivas l'a empêché de signer pour l'Espagne? Est-ce que Grandona a dit « faites-le jouer dans un match, sinon il jouera sous un autre maillot » Je vais te raconter. C'était la demi-finale contre l'Espagne. Je te parle de 2003. On rentrait à l'hôtel. On partageait le même hôtel que les Espagnols. L'Espagne a toujours eu un chef cuisinier. Je marchais quand il est venu me saluer et il m'a dit... Monsieur Tocali? Non, je suis occupé, excusez-moi. Je voudrais vous parler d'un jeune, Léo Messi de Rosario. Vous le connaissez? Je ne parle pas affaire avec des inconnus, contactez la fédération. Il a 15 ans, les Espagnols veulent le sélectionner, mais il veut jouer dans la sélection argentine. Quel gamin de 15 ans ne voudrait pas jouer dans la sélection argentine? Vous ne comprenez pas, c'est un phénomène, un génie. Si vous ne le prenez pas dans les moins de 17 ans, on le perdra pour toujours. Si on m'avait payé à chaque fois que j'ai entendu ça, je serais multimillionnaire. Pardon? Attendez, son père vous envoie ça. Si ça ne vous intéresse pas, tant pis, mais sinon appelez-le, c'est urgent. Je vous en prie. Surtout, n'en parlez pas aux Espagnols. Bien, c'est tout? Oui, monsieur Tocali, merci beaucoup. Au revoir. Je suis reparti sans même le remercier. Alors, pour la finale des moins de 17 ans, un cuisinier est venu dire « j'ai un joueur qui va te sauver ». Un joueur qui va me sauver? J'ai répondu « non ». Non, c'est la sélection nationale. On fait jouer uniquement ceux qui se sont entraînés. Si ça leur plaît pas, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Tu comprends? Bien sûr, je te l'ai dit ce matin. Tu ne m'écoutes pas. Au bout du compte, je suis tout seul. Ils nous roulent dans la farine. Tu comprends ce que je te dis? Ils nous roulent dans la farine. Il y avait 5 actions de Léo. Il prenait le ballon, il marchait et il passait de 0 à 100 en 3 mètres. J'étais sidéré. Avec José, on se disait que dans la sélection des jeunes, on avait besoin d'un joueur rapide, un joueur capable de changer de rythme. J'ai dit, il est parfait. Tu ne savais rien de lui à ce moment-là? Je ne le connaissais pas du tout. Attends une seconde, s'il te plaît. J'ai appelé immédiatement Omar Souto, le responsable administratif. Écoute bien ce que je vais te dire. Écoute-moi bien. Tu dois me retrouver un gamin qui habite Barcelone et qui s'appelle Lionel Messi. T'as compris? Lionel Messi. Je lui ai demandé de le contacter en Espagne par l'intermédiaire de Ravière, qui était dans l'équipe première et qui pouvait le faire. Merci. Je crois qu'il a fallu 40 minutes. J'appelle de la part de la sélection argentine de football. C'est formidable! Le père du garçon était enthousiaste. Il m'a dit qu'il demanderait l'autorisation de Barcelone et qu'il viendrait. Il avait 16 ans et ils l'ont pris dans les moins de 20 ans ou les moins de 18. Ils ont joué contre le Paraguay. En match amical. Et c'est ce qui a permis à Léo d'entrer dans la sélection argentine. Il l'a sélectionné pour l'Argentine. Si Messi avait joué pour l'équipe d'Espagne qu'on a vue au dernier mondial... Et qui a gagné 2 Coupes d'Europe... Elle aurait été imbattable. Portons donc un toast à cette vidéo, à ce match que tu as organisé en Argentine, et au fait que Julio t'ait autorisé à acheter son billet pour le faire venir. Le Real Madrid aurait fait jouer Messi à 17 ans. J'espère que je pourrai continuer à jouer dans l'équipe première. Il a fini par jouer dans l'équipe première et on ne l'a pas beaucoup revu. C'était le bon moment techniquement pour l'équipe première, pour son entraîneur d'alors et pour son effectif de joueurs. Ronaldinho l'a traité comme un fils. Ce sont les joueurs qui demandaient. Faites rentrer Léo. C'est jamais facile à 16 ans de rentrer dans le vestiaire, surtout pour quelqu'un comme moi. Mais Ronaldinho, les Brésiliens, Deco, Silvinho, Mota, ils m'ont tout de suite adopté. Le premier jour, Ronaldinho m'a fait asseoir près de lui. C'était plus facile. Ses coéquipiers à Barcelone ont accepté Léo comme il était. Ils ont été géniaux. Ils l'ont tous pris sous leur aile. Un match très compliqué. On a pu ouvrir le score. Ça a bien marché. Ils l'ont protégé. Ils l'ont aidé à grandir. Rijkaard était patient, très patient. Rijkaard avançait étape par étape, sans se presser. Souvent, je ne comprenais pas pourquoi on ne me faisait pas jouer. Il l'a beaucoup protégé. D'autres entraîneurs n'auraient pas pris de risque avec lui. Avec le recul, je vois qu'il avait raison. Je lui en suis reconnaissant, parce qu'il savait ce qui était le mieux pour moi. Quand on se précipite, on peut les perdre, et les dégâts sont irréparables.
À Barcelone, Messi a eu à l'époque un entraîneur qui, selon moi, appartient à l'école hollandaise. Tout ce que faisait Rijkaard était simple, efficace. Il l'a pris dans l'équipe première. Même après ses débuts à Barcelone, personne ne se doutait qu'il allait devenir le meilleur joueur du monde. Le premier but qu'il a marqué à Barcelone. Ce jour-là, il a marqué un but incroyable. Sur une passe de Ronaldinho. Un sombrero sous la transversale. Le premier à venir l'embrasser a été Ronaldinho. J'ai pas réalisé ce qu'il faisait. Avec les cris du public, j'étais tellement content d'avoir marqué mon premier but. Ensuite, quand j'y ai repensé au calme, sa manière de fêter ça, j'ai compris que je comptais pour lui. Comme si c'était lui qui avait marqué. Il l'a embrassé comme le ferait un père. Il avait un feeling particulier sur le terrain. En plus, il s'amusait. Incroyable. Ronaldinho est quelqu'un de loyal. Contrairement à certains qui se diraient « Oh, Messi progresse beaucoup ». Dans le vestiaire, il trouvait une nouvelle idée et il s'entraînait jusqu'à ce qu'il la maîtrise. Et le lendemain, il nous montrait ce qu'il avait appris. Marias a dit un jour « Ronaldinho est un joueur de plage et Messi un joueur de rue ». Pour Messi, chaque match est un match de rue. Il joue même les matchs les plus simples comme si son honneur était en jeu. C'est incroyable. Il joue encore pour gagner un vélo. Ronaldinho est le meilleur joueur du monde. Être son remplaçant est très impressionnant. De quoi rêves-tu ? De jouer dans la sélection argentine. Les débuts de Messi dans la sélection argentine n'ont pas été faciles. Le premier match de la Coupe du Monde en Allemagne. Contre la Hongrie ? Il était sélectionné ? Oui, dans l'équipe première. Dans l'équipe nationale ? Il reçoit le ballon. Un défenseur l'attrape par le maillot, il le frappe pour se dégager, et l'arbitre lui colle un carton rouge pour comportement violent. De la folie. Une folie de l'arbitre ? Oui, une folie de l'arbitre. Ah, d'accord. Léo a été expulsé au bout de 30 secondes sur le terrain. Il a pleuré dans le vestiaire, c'était dur pour lui. Quel dommage. On attendait beaucoup de lui dans ce match. Quand as-tu compris que c'était un joueur à part ? Un de ces joueurs qui marquent leur époque ? Avec le match contre la Juventus, tout le monde a commencé à ouvrir les yeux. Là, il s'est fait un nom. On a parlé beaucoup plus de lui. Ce qu'il a fait au Camp Nou, c'était impressionnant. Il devait avoir 17 ans. Ce qu'il a fait ce soir, c'est impressionnant. Il a montré tout son talent contre une Juventus qui a tout fait pour gagner. Ils ont fait beaucoup de fautes pour tenter de l'arrêter. Et d'arrêter Iniesta, qui l'a beaucoup aidé. Il a donné du fil à retordre à la Juve, qui avait pourtant des joueurs de haut niveau. Même Capello, leur entraîneur, a dit « Je crois que je n'ai jamais vu un joueur avec autant de qualité à cet âge-là. De la personnalité, de la vitesse, il a tout. » Rijkaard et Capello ont eu une discussion sur la pelouse. Capello a dit « Tu me le donnes ?» Rijkaard a répondu « Non, pas question. » Il faut protéger un talent comme celui-ci. Ce soir, il était fantastique. C'était un plaisir pour le public de le voir jouer. Personne ne l'avait jamais vu avant qu'il apparaisse au Camp Nou. C'était la première fois qu'il criait « Messi, Messi, Messi !» À ce moment-là, tout le monde voulait renouveler son contrat. C'est alors qu'ils ont réalisé que ce contrat était précaire. Le contrat de Messi, il est toujours précaire. Il est précaire tous les jours. Il a été renouvelé 6 fois. 6 renouvellements. Sa première sortie internationale, c'était contre Chelsea. Du délire. Je crois que Delorno a dû faire des cauchemars de Messi une semaine entière. Et le cinéma de Mourinho. Du cinéma. Du très bon cinéma. Le match contre Chelsea à Stamford Bridge a marqué sa carrière. Delorno l'a puni bien au-delà de ce qu'un joueur peut supporter. C'est la première fois que j'ai vu Messi dans un match d'une telle intensité. Ce match m'a appris beaucoup sur Messi et surtout sur la terreur qu'il inspirait à ses rivaux. On avait regardé Real Madrid-Barcelone ensemble dans un bar. Il avait fait quoi ? Un triplé ? Ça date. Oui, un triplé. Il a marqué les 3 buts du Classico. Énorme.
C'était énorme. Ensuite, est arrivé, selon moi, et de loin, le meilleur entraîneur du monde. De loin. Guardiola a trouvé une équipe où jouer Messi, Eto'o, Ronaldinho et Henry. Excusez du peu. Ils avaient du pain sur la planche et ils ont agi très rapidement. Adieu Ronaldinho. Ronaldinho s'en va, il donne le 10 à Messi et on commence à se demander si... Laporta a dit à Ronaldinho, on va s'arrêter là. Ils ont pleuré tous les deux, ils se sont embrassés, puis Laporta est sorti, il a téléphoné à Jorge Messi. Et il a dit, Léo, c'est toi le patron. Il avait 21 ans. J'imagine qu'il a réagi en disant, vous virez mes amis, mon frère adoptif? Mais très vite, il a dû dire, on aura quelle équipe, quelle formation, quels joueurs viendront? Je crois qu'à ce moment-là, le patron n'était pas Messi. Je crois qu'à 21 ans, Messi n'était pas le patron du Barça. C'est ce qu'ils lui ont vendu. Le patron de Barcelone, c'était Guardiola. Le leader qui a décidé de placer Messi au centre de la scène, c'est Guardiola. Il l'a fait un jour très précis, quand le Barça a battu le Real 6-2 et qu'il a pratiquement viré Eto'o de l'effectif. Il l'a placé en périphérie, à l'aile droite, et il a mis Messi dans l'axe comme un faux avant-centre. C'était une décision symbolique qui signifiait « cette équipe va s'organiser autour de toi ». Parce que cette équipe n'avait pas encore été construite. Mais ça n'a pas été une décision de Messi, ça a été une décision de Guardiola. Messi a grandi entre autres raisons parce que Guardiola avait deviné qu'Eto'o était un leader tribal, qui au lieu d'aider Messi, le surprotégeait, et qu'il valait mieux pour Messi qu'Eto'o ne soit plus là. Ronaldinho est parti parce qu'il croyait que son pouvoir d'absorption affaiblissait le rôle de leader de Messi. Il s'est alors retrouvé dans la situation de devoir assumer son rôle. Mais c'est Guardiola qui a créé ce cadre. Quand vous ouvrez la porte et que vous dites « bonjour », ils savent tous qui vous êtes. C'est clair. Quand Guardiola ouvre la porte d'un vestiaire, tout le monde sait comment il faut jouer. L'entraîneur fait tout pour ça. Et Barcelone a commencé à progresser avec lui comme leader. Une génération à son service. Personne n'a discuté. Et ceux qui doutaient de Messi ont fini comme cadavres au Barça. Que se serait-il passé si Cristiano Ronaldo avait joué à Barcelone et Messi pour Mourinho? Bonne question. On aurait vu la même chose? Ou bien Ronaldo aurait-il quitté Barcelone comme beaucoup de grands joueurs? Léo adore jouer au foot de rue avec ses potes. Et il aime jouer avec ceux qui ont la même idée du foot que lui. Il a surtout besoin d'être entouré de complices, si je puis dire. De copains. C'est ça. Finalement, ils sont en quelque sorte connectés. Je te la passe, tu me la passes. Je me souviens quand Zlatan est venu ici un an. C'était un joueur beaucoup plus anarchique. C'était aussi un super joueur, mais il avait du mal à se connecter avec lui. Messi doit-il jouer avec les meilleurs ou avec ceux qui le comprennent le mieux? Avec ceux qui le comprennent le mieux. Ceux qui le comprennent. Ça peut être les meilleurs. Certains attaquants ont dû partir parce que ça fonctionnait pas avec Léo. Villa, Eto'o, Bojan Krkić, Ibrahimovic. On joue de cette façon à Barcelone. Si vous voulez jouer autrement, changez d'équipe. Ibra était un obstacle, un défenseur de plus. Ouais, une barrière. Messi a besoin de perspective. Quand Messi a le ballon, tu te dis, je dois l'aider. Il faut dégager les adversaires et le laisser jouer les 1 contre 1. Ça veut dire quoi, aider? Offrir à son coéquipier les meilleures conditions. C'est ça, aider. La première chose qu'il faut définir, à mon avis, c'est pourquoi est-ce un joueur hors norme? Ouais. Le football n'est pas quelque chose de très mystérieux, pas une histoire de 4-3-4 ou autre numéro de téléphone. Dans le football, il y a 4 actions. Définir, concevoir, récupérer et défendre. 4 actions. Messi était d'abord un formidable définisseur. D'abord comme ailier sur un côté, mais ensuite... On a découvert une nouvelle position, le faux numéro 9. Un faux 9. Il a trouvé un poste où il exploite au mieux ses qualités. C'est certain. Et tout le mérite revient à Guardiola. Il joue dehors, il joue dedans, peu importe. Il joue comme un dieu. Il ne manquerait plus qu'il défende bien. Et le sprint de l'autre jour contre Kuhn? Son père, Jorge Messi, m'a parlé du jour où il a découvert que son fils était un phénomène. Il m'a dit qu'ils avaient fait un cercle avec Messi au centre. Il se passait le ballon, et dès qu'il est rentré, il s'est jeté dans les jambes de celui qui avait le ballon et l'a récupéré. Il voulait absolument la balle. Messi a besoin du ballon. Ça, c'est vrai. C'est comme si un violoniste ne pouvait avoir son violon que toutes les 2 minutes. À toi de jouer maintenant. Comme si l'orchestre jouait pendant 1 heure et que le soliste, le virtuose, ne jouait que 2 notes. Quand Messi n'a pas le ballon, c'est un joueur ordinaire. Que vous donniez à Messi 30 ballons ou 5,
J'ai vu un match en Argentine où Messi n'a touché que 4 ballons. Il faudrait un miracle pour marquer 4 fois avec 4 possessions de balles. Impossible. On voudrait que Messi ait toujours le ballon, parce qu'on sait qu'au minimum, il le passera toujours à quelqu'un qui porte le même maillot. Et là, on respire. Vous savez ce que c'est. Un jour, on s'était réunis. J'ai fait sortir Maradona et j'ai demandé à tout le monde « Combien de ballons vous allez donner à Maradona ?» Là, ils m'ont regardé et j'ai dit « Tous ». Voilà pourquoi, pour son jeu, un Busquets, un Xavi, un Iniesta sont essentiels pour qu'ils puissent jouer. D'autant plus que, quand ils peuvent se voir, leurs regards sont à la même hauteur, car ils font la même taille. Le même poids. Non, mais la taille, c'est très important, tu vois tout. Vous n'avez pas idée de l'importance, pour la carrière d'un joueur, de pouvoir compter sur 3 ou 4 joueurs sur le terrain. On pourrait se distribuer des médailles et dire que c'est vrai, mais Léo et Léo, peu importe avec qui ils jouent. J'ai entendu Cruyff dire un jour qu'à l'origine de tout ça, il y avait Xavi. Il maintient toujours un certain rythme. Xavi a le ballon et il fait une passe rapide à Messi quand il est libre et qu'il peut démarrer. C'est pas « je passe le ballon, on verra bien ». Maintenant, il y a aussi Iniesta. Et lui, c'est une autre histoire. Tu t'entends très bien avec lui. Quand tu lui fais la dernière passe et qu'il s'arrête, tu sais que quand tu la passes, il te la renverra à la perfection. Un, une, deux, parfait. Ce sont de bons joueurs avec le même profil. Ils sont... connectés. Connectés, oui. Je réussirai jamais à faire un 1-2 avec lui. Jamais. Se le acaba el tiempo al Barça. Viene el centro de Dani Alves. El balón despejado por Terry. La baja bien Samuel Eto'o. Aguanta el camerunés. La pone para Leo Messi. Aguanta el argentino. Messi dentro del área. La deja para Andrés Iniesta. Dispara Iniesta. ¡Gol! ¡Gol! Les gens croient souvent que le football se joue surtout avec les pieds. Je dis qu'on joue avec sa tête et qu'on utilise ses pieds. Ce qui me plaît, c'est qu'on peut toujours transformer un défaut en avantage. Un petit joueur ne rivalise pas avec un grand. Sa zone de contrôle est inférieure. Il ne peut pas attaquer frontalement. Il est plus bas. Quand il pousse ici. À une époque, Barcelone avait beaucoup de petits joueurs et presque tous possédaient cette qualité. Ils profitaient des chocs, car quand on te pousse, tu récupères de la vitesse. Quand on me dit « les petits ne font pas de tête », j'aimerais faire les mêmes que lui. Il a un marteau dans la tête. Il y a une photo de la finale. C'était la Champions League, non? Quel but! Une hauteur incroyable. Un bond stupéfiant. J'ai entendu que Piqué, à l'entraînement... J'ai souvent vécu ça à l'entraînement, quand je devais le marquer en défense. Il te donne l'impression que tu sais de quel côté il partira. Qu'il fera ceci. Que tu sais ce qu'il fera, qu'il partira par là. Je sais par où il sortira. Mais même en le sachant, tu peux pas l'arrêter. Et il sort. Et il part. Exact. Et il part. Ouais. On a l'impression que s'il a envie de te passer, il le fait. Et s'il n'en a pas envie, il ne le fait pas. Il joue avec toi. On savait quand il allait toucher le ballon. On croit avoir 2 contacts, mais il n'y en a qu'un seul. Il peut le toucher ou pas. Qu'il le touche ou pas, c'est pareil. Mais si tu fais un pas en arrière, il recule toujours. Quand j'entends les gens chanter les louanges de Messi, mais évidemment, regardez ça. C'est bien plus important, bien mieux que de marquer un but. Beaucoup de joueurs sont capables de marquer de beaux buts. Quand Messi récupère le ballon, il n'hésite jamais. De quoi il avait l'air? D'un monstre. J'avais rarement vu un joueur courir aussi rapidement avec la balle au pied. Très rarement. Son gros avantage quand il court avec le ballon, c'est qu'il fait 2 foulées quand les défenseurs n'en font qu'une.
Ça veut dire que pendant ce temps-là, il peut aller à droite ou à gauche. Exact. Encore une fois, c'est un gros avantage. À chaque foulée, il a la possibilité de changer de direction ou de modifier le sens de l'action, non? C'est ça. Voilà pourquoi il doit faire autant de contacts. Si Barcelone a autant de succès, c'est à cause du nombre de contacts. Autour de lui, on sait qu'il doit faire autant de contacts. Le côté magique de Barcelone. Même au ralenti, il paraît rapide. On dirait qu'il avance à une autre vitesse. Même au ralenti. Il contrôle à une vitesse hallucinante. C'est pareil quand il s'énerve sur quelqu'un et qu'il fait un petit pont. En fait, il pourrait tirer n'importe quand, mais il le fait pas. Il est tellement rapide. Il fait ce qu'il veut quand il veut. L'autre jour, il a marqué un but. Iniesta a passé la balle à Alexis Sanchez et Messi l'a récupéré au milieu du genre « Excusez-moi, je peux la prendre ?» Il l'a contrôlée avant de l'envoyer dans le seul endroit où elle pouvait passer. Voilà pourquoi il est Messi. C'est de la magie. Les endroits les plus étroits, les endroits les plus astucieux, il sort le lapin du chapeau. Pour marquer ou passer en profondeur? Il fait un changement à 30 mètres. Comme les coups francs. Les coups francs, par exemple. Gaucher, je sais. Mais son pied droit ne lui sert pas seulement à marcher. Non, il a souvent marqué du pied droit. Très peu de gauchers sont bons du pied droit. Il est moins gaucher que Maradona dans le sens où Maradona, quand il arrivait à se déporter sur la droite, faisait le coup du foulard. Il utilisait un truc... Il devait inventer un truc. Pour ne pas utiliser son pied droit. En revanche, Messi utilise son droit si nécessaire. Un des pieds est toujours meilleur que l'autre. Bien sûr. Mais si le ballon vient de la droite, il faut le faire rentrer. Et tu ouvres beaucoup plus si tu en es capable. Et dans la sélection? Dans la sélection? Il jouait librement. De toute façon, il fallait le marquer, non? Bien entendu, mais... Impossible de le laisser seul. Mais on peut le marquer de différentes façons. Oui, oui. Avec Messi, le 1 contre 1, ça ne suffit pas. Il faut toujours chercher le 1 contre 2. Pour le marquer, il faut oublier le règlement, non? Oui, pas de coup, mais... Ça me fait mal quand il se fait tacler ou quand il tombe. Je ne supporte pas ça. Il est tellement précis qu'il n'a pas besoin de tirer fort, parce qu'elle rentre. Le ballon part toujours sur le côté. Il vise toujours le plus loin possible du gardien. Il a battu tous les records. Un coup du chapeau, c'est banal pour lui. Quand il marquait un seul but, on trouvait ça léger. On était habitué à... La normale était normale. Surtout à l'entraînement. Je pense que là, les gens ratent beaucoup de choses. Ah oui. J'ai jamais envie de jouer contre lui, moi. Personne. Les gens, ils attendent quoi? Un double salto avant le but? Il a un avantage. C'est que le public ne voit pas la beauté du but. Seulement que le ballon est rentré. Comment? Ça intéresse qui? Que ce soit de l'intérieur du pied, un pointu, ça peut être n'importe quoi. Moi, c'est ça qui me plaît. Le petit pont, le double petit pont, c'est un peu pour la galerie. C'est du cirque. Il fait juste le nécessaire. Il est économe dans le luxe. Il respecte l'adversaire. Il peut aussi dépasser les limites, non? Parce qu'autrement, on serait en train de parler d'une statue. Bien sûr. Et pour des bricoles, parfois. Quand Léo est énervé, quand il perd, il est insupportable. Toi aussi, tu peux être le roi des casse-pieds. T'arrêtes pas de me tanner. Tu finis par me mettre hors de moi. C'est vrai. Et il a une seconde d'avance sur le jeu. Si vous ne savez pas qui est derrière vous, oui. Lui, il le sait. Toujours. La vision panoramique. D'où vient l'adversaire, la position des coéquipiers, l'espace disponible pour manœuvrer, c'est un don. Je pense que le grand tournant dans le football espagnol a été le match Madrid-Barça, la première année de Mourinho. Un match compliqué pour le Barça. Pepe s'est fait expulser, vous vous souvenez? Oui. L'herbe était haute, entre autres. Je crois que si Madrid avait gagné ce match et avait joué la finale de la Champions League, la face du football espagnol aurait changé. Messi les a stoppés par une action stratosphérique, extraordinaire. Il s'est emparé du ballon au centre du terrain.
Il a échappé à trois joueurs et il a marqué un but incroyable. Je crois que ça a mis fin au Madrid de Mourinho. Même si Madrid a gagné la Liga l'année suivante, on sentait que le Barça était toujours aux commandes. Messi a été absolument décisif. Il a dit « Dans ce match, c'est toujours nous qui régnons ». Il a gagné en jouant dans un style purement maradonien. Selon moi, on a assisté à un moment quasi historique dans le football espagnol. Les problèmes de Madrid avec Barcelone étaient surtout psychologiques. Je crois que dans ces matchs, Messi a pesé d'un poids absolument énorme. C'est sûr. On sent que tout commence et finit avec Messi au moment où Madrid va trop loin. Qu'est-ce que tu sais faire ? Tout. Tu vas devenir le plus grand joueur du monde. À Barcelone, ils sont fatigués et ils s'ennuient à force de gagner. Comme si on s'ennuyait avec la Joconde et qu'on s'amusait à lui peindre une moustache. Tout à fait. Laissez cette œuvre d'art. Freiner, c'est beaucoup plus important que d'aller vite. Clairement. Il s'arrête. Il pile net. Sur 2 cm. Et il repart. Franchement, t'as déjà vu une telle vitesse ailleurs ? Oui. Ah bon ? La perle noire, Pelé. Pelé ? Pour moi, Pelé, c'est un cas à part. Quand on parle football, il ne faut jamais évoquer Pelé. Parce qu'il vient d'une autre planète. Il tient un peu de tous les grands joueurs de l'histoire. Il a le contrôle de Zidane, la vitesse de Ronaldo. Une des premières fois où il a reçu le Ballon d'Or, j'ai ressenti une émotion, comme si c'était moi qui allais le recevoir. Lionel Messi. J'ai pensé que ce qui lui arrivait était formidable. J'étais tellement ému que j'ai pleuré. Oui, je m'en souviens. Léo Messi pour la 4e fois Ballon d'Or. C'est un géant, ça ne fait aucun doute. Aucun doute ? Tu le vois déjà à tes côtés dans l'histoire ? Oui, sans aucun doute. Il est assis à la table de Maradona. À la même table. Il est assis à la table de Di Stefano, de Cruyff. Il est à la table des grands ou pas ? Est-ce que vous vous êtes mis d'accord ? Pourquoi ? Pour une mise en scène, une comédie dont je serai un des personnages. On est là pour dîner. Vous cherchez, dans tous vos commentaires, à faire des comparaisons. Vous vous rendez compte ? Ce qu'on voit là, il le faisait déjà tout petit. Il doit avoir 7 ou 8 ans. Ils l'ont fait venir à la mi-temps d'un match de Newell's. Il a fait 300 ou 400 jongles sans perdre le ballon. Quand on regarde Maradona, puis Messi, on peut dire, ils sont semblables. La différence, c'est qu'il est beaucoup plus petit. Oui. L'autre est plus mûr. Mais c'est pas un showman, Diego par exemple. Avec l'orange. Oui, avec la boîte de conserve, l'orange, le bouchon. Je pense que ça l'amuse pas. Non. C'est resté un garçon simple. C'est ce que je disais. Il n'aime pas s'exhiber. Il a toujours été humble. C'est ce qui lui a permis d'en arriver là, non ? Qui est ton idole parmi les joueurs ? Maradona. T'as quoi de Maradona ? Tu es gaucher ? Tu contrôles bien ? Pourquoi tu l'admires ? Tu veux l'imiter ? Non. Voilà le style dont je parle toujours. Ça ressemble tellement au but de Maradona contre les Anglais. Identique. Oui, il couvre la même distance. Il rencontre les mêmes obstacles sur sa trajectoire. Maradona joue plus sur les changements de rythme. Il doit les feinter parce qu'il est moins rapide que Messi. Par contre, Messi est tout en accélération. Mais à la base, ils sont très différents. Les deux sont gauchers, mais l'un est plus rapide que l'autre.
Maradona cache la balle, la montre. C'est une autre époque, un autre football, d'autres adversaires. On ne peut pas comparer les défenseurs anglais de l'époque avec ceux d'aujourd'hui. C'était il y a 30 ans, c'est impossible. Maradona est un mythe, n'est-ce pas? Ce qu'il a fait en 86 contre l'Angleterre, après la guerre des Malouines. Maradona conduit une équipe, tandis que Léo définit la partie. Maradona lui-même a fait une excellente comparaison en disant « J'ai une meilleure vision du terrain et Léo une meilleure vision des cages. » Messi possède ces deux qualités. Maradona a une auréole, il porte son équipe, il insulte les supporters et il siffle l'hymne national. Léo porte son équipe en jouant. Oui, en jouant. Il s'impose par son autorité naturelle. Les gens, ses coéquipiers... Pas en tirant. Non, il n'impose rien. Messi est Maradona. Mais pas le Maradona qu'on a pu voir parfois. Messi est Maradona tous les jours. Non, chaque minute. Je me souviens de certains matchs de Maradona à Naples où il semblait avoir disparu du terrain. Je suis pas d'accord. Non? Non. Maradona a inventé Naples. Et Messi a inventé Barcelone. Messi a ajouté à cette œuvre d'art tout ce que vous voulez. Les yeux, les cheveux, le dernier coup de pinceau. Mais le FC Naples, c'était une bande de types qui couraient dans tous les sens. Jouer à Naples, c'était la classe ouvrière italienne qui battait les puissants de Milan. Maradona, c'est une épopée. Toutes les planètes étaient alignées. Voilà pourquoi la comparaison est injuste. Léo, c'est Léo et Diego, c'est Diego. Et Léo sera toujours Léo et sera toujours notre ami. Si vous me demandez aujourd'hui qui est le meilleur entre Léo et Diego, je vous répondrai mille fois Léo. Je veux pas me prononcer. C'est mon opinion. Nous, les Argentins, on aime les comparer sur tout. Sur le nombre de buts semblables qu'ils ont marqués, par exemple. Vous avez vu celui avec la main? Non. C'est aussi avec la main? Regardez, celui de Léo avec la main, c'est le même que celui de Maradona. Incroyable. Si Maradona avait marqué ce but de la main, mais n'avait pas marqué l'autre but, personne ne se souviendrait de la main. Non. Ils se souviennent du but de la main parce que c'était contre les Anglais. Mais malgré cette main, il a été le meilleur joueur de toute cette coupe. C'est le même. Exactement, c'est un miracle, une chorégraphie. L'extravagance, les excès de Diego en dehors du terrain, il n'y a pas ça chez Léo. Il faut faire taire Maradona. C'est négatif pour le personnage public, mais excellent pour le joueur. Diego a beaucoup plus souffert dans sa vie. Ce sont peut-être les erreurs que Léo ne fait pas qui le rendent meilleur que Maradona. Messi, c'est l'Argentin qu'on aimerait être. Peut-être. L'Argentin bien élevé qui part conquérir le monde. Diego, c'est l'Argentin que nous sommes. Un Argentin plus bagarreur, plus excessif. Il instaure une relation avec les gens. Léo ne s'est jamais fait exclure sur une faute pendant une Coupe du Monde. J'arrête là les comparaisons, tu t'en es déjà chargé. Tu ne m'écouteras pas. Je reste les bras croisés et je ne dis plus rien. Parce qu'on peut tout comparer. Non, je ne compare pas. Je ne veux pas entrer dans les comparaisons. Je vais répéter la même chose. Mais Messi... Que ce sont deux joueurs extraordinaires, les meilleurs joueurs du monde, les meilleurs joueurs de tous les temps, mais que je n'aime pas entrer dans les comparaisons. Quand on lui pose la question, il dit qu'il ne faut pas les comparer. À mon avis, Maradona était meilleur. Mais je ne sais pas pourquoi il était le meilleur. C'est le seul que je qualifie de meilleur. Mais tous les suivants sont des cracks. Je remercie Dieu que Messi existe. S'il n'était pas là, on parlerait encore de Maradona. Ce serait ridicule. Par conséquent, il ne faut pas comparer. Juste en profiter. Qui est ton idole parmi les joueurs? Maradona. Léo, je veux juste te dire que je t'aime beaucoup. Que tu assures. Laisse les autres dire que tu seras le meilleur joueur de tous les temps. On en reparlera quand tu seras en fin de carrière. Pour le moment, fais-toi plaisir. Profite de ta famille. Je t'aime beaucoup, Léo. Vraiment. Messi n'a quasiment jamais... Mal joué. Mal joué. Sur 100 matchs que j'ai vus, je l'ai vu mal jouer 3 fois. C'est pas un robot. C'est un gamin. Je l'ai vu seulement 2 fois se faire siffler par le stade. En Copa América à Santa Fe et au Monumental contre la Bolivie. Oui, contre la Bolivie. L'élimination. Je crois que le public a réagi contre l'équipe entière. Quand une équipe joue affreusement mal, ils ne s'en prennent pas à l'ailier droit, mais à la star. Le coup franc, tu t'en souviens? Mais comment? Il a tiré n'importe où. Et il s'est fait siffler. Tant mieux s'ils l'ont sifflé. J'en aurais fait autant. Si j'avais été son entraîneur, je lui aurais dit « Je peux pas te laisser faire ça. Ne recommence pas. » Thank you.
pourquoi c'est surtout lui qu'ils ont sifflé? Ils ont sifflé l'équipe. C'est lui qu'ils ont sifflé. Il est sorti sous les sifflets, c'est différent. Voilà, c'est lui qu'ils ont sifflé. C'était un autre Messi. Les gens répètent souvent ce qu'ils entendent, non? Une partie de la presse s'est emparée de l'histoire. Les gens ont cru qu'il ne s'impliquait pas dans son équipe. Il y avait des blagues sur Messi. Quand je parle avec les gens, ils me disent... Il est nul, c'est une bille, il voit rien. Je l'avais toujours supporté, mais là, c'est plus possible. Arrêtez les conneries, c'est un moins que rien, ce mec-là, c'est une escroquerie. J'étais très mal quand ils ont commencé à le critiquer. Tu en souffres aussi. Le gamin se décarcasse pour jouer en sélection et il le critique. C'est un touriste, il se promène sur le terrain. Rien à voir avec Maradona. Ne soyez pas méchants. Ils lui ont reproché de ne pas chanter l'hymne. Alors, la prof de musique ? Je suis certaine de lui avoir appris l'hymne national. J'étais à Santa Fe, on jouait l'hymne national. Tout le monde et lui aussi savait que c'était injuste. On sentait qu'il y avait beaucoup d'émotions. On pense à beaucoup de choses. Il n'est pas obligatoire de chanter l'hymne national pour être argentin. Je suis parti 5 minutes en avance pour éviter d'entendre les commentaires du public sur Léo. Quand les gens tombent là-dedans, c'est d'une médiocrité épouvantable. Je ne chante jamais l'hymne. Ça ne m'intéresse pas. Le plus important, c'est qu'il n'a pas joué pour l'Espagne. Tout à fait. Mais qu'il a voulu jouer pour l'Argentine. Je me souviens qu'il a dit à Golpe qu'il fallait arrêter de le critiquer et le laisser tranquille. Il a failli quitter la sélection. Qu'un jour, il se fatiguerait et ne viendrait plus. Pour le moment, il vient toujours. Léo est plus argentin que moi. Il a toujours l'Argentine et Rosario dans la tête. Revenir à Rosario, y jouer. Profiter de toutes les choses dont il a été privé enfant, non? Messi vit en Espagne depuis ses 13 ans. Il parle le rosarien. Il ne parle pas l'argentin, il parle le rosarien. À Barcelone, on m'a dit que Léo est un joueur qui quitte Rosario chaque matin, s'entraîne à Barcelone et rentre ensuite en avion à Rosario à la fin de l'entraînement. C'est tout, Léo. Il est plus argentin que le tango. Il y a eu un déclic dans la sélection argentine. C'est le match de Barranquilla. C'était à l'époque de Sabella. Sabella est ici? À droite, là. Il est là. À partir de ce jour-là, c'est devenu la sélection de Messi. Et Messi a été le patron de cette équipe. Ça a été le déclic. Il a peut-être commencé à jouer plus à sa façon qu'à celle que tu avais imaginée. Il arrive souvent dans le football que certains matchs marquent une étape. Il faut essayer de comprendre chaque joueur. Même si vous avez le meilleur joueur du monde, il faut essayer de le comprendre. Messi est sorti, j'étais dans le vestiaire, il m'a dit... Mon jeu en sélection aujourd'hui. Il m'a dit, c'est le jeu que j'aime, les passes depuis les ailes. Et j'avais Kun Agüero. Il avait plus d'options, il est habitué à ça au Barça. Ce qui est intéressant, c'est que quand il n'est pas là... Il est là. On croit qu'il n'est pas là, mais il est là. On croit qu'il n'est pas là et tout à coup, il s'empare du ballon et fait un carnage. Tu resteras Alejandro comme l'entraîneur de la sélection qui aura fait jouer Messi comme à Barcelone. On ne voulait pas l'admettre, mais maintenant c'est chose faite. Il a été champion du monde avec les juniors. Et aussi champion olympique. Être 3 fois champion et être le meilleur du monde, c'est le summum. Les gens disent souvent, il n'a pas gagné le mondial, mais il a reçu 4 ballons d'or et il est le seul. Oui, mais on pointe toujours ce qui vous manque. Exactement. Je pense qu'il est le meilleur même sans être champion. Je parle de sa carrière. Ce serait parfait avec une Coupe du Monde. Un jour, on reprendra les Malouines avec Messi comme général. Et on lui reprochera de ne pas porter une cocarde. Quand tu fais une interview de Messi, c'est à mourir d'ennui. C'est un pur esprit. Il enfile les clichés comme des perles. Jamais on ne découvrira quelque chose de négatif sur lui. À une époque, les journaux ont parlé des problèmes fiscaux de Léo. Envoyez-moi les questions et j'y répondrai. Il a répondu depuis l'hôtel de la sélection, par mail. Il est capable d'esquiver encore mieux que sur le terrain. C'est mon unique interview par mail. Je suis un homme de radio? C'était une nouvelle expérience. Il y a toujours des gens qui interfèrent. Ils ne peuvent pas virer les masseurs de confiance d'Iniesta ou de Xavi. Eux peuvent le faire, pas la direction. Il est l'homme qui doit mettre fin à ça.
Messi est-il capable de dire ce qui convient à l'équipe, ce qui est bon pour le club? Doit-il ou ne doit-il pas le faire? La réponse, Ramon, est oui. Je dis que c'est oui. Il a fini par s'isoler et par changer de numéro de téléphone. Sinon, il était harcelé. Depuis la Coupe du Monde, je n'ai pas parlé à Léo. Non. Je ne lui ai plus parlé. Je ne te crois pas. Je ne voulais pas l'embêter. Tout à fait. On communiquait et puis j'ai perdu... Ton portable? J'ai perdu mon portable, oui. Quand on est passé dans sa vie et qu'on le voit courir, on se dit « une de ces gouttes de transpiration m'appartient ». Pour nous, c'est déjà un héros. Il n'a plus rien à nous prouver. Levons nos verres à Messi. On a vécu tous les deux un moment très important. On devait avoir 11 ou 12 ans et sa grand-mère était décédée. Il m'a dit « Viens avec moi au cimetière pour voir ma grand-mère ». Je lui ai dit « D'accord, allons-y, mais c'est loin. On était petits et on n'avait aucune idée de ce qu'il y avait en dehors de notre quartier. C'était terrible. Ça a été une véritable odyssée à travers ces quartiers très pauvres. Les gens regardaient ces deux gamins, plus ou moins bien habillés. On a fini par atteindre le cimetière pour voir sa grand-mère. Elle a eu une influence essentielle. C'est évident. Parce qu'elle lui a transmis un certain optimisme. C'est vrai. Elle lui a transmis ça. En ce qui concernait son obsession, devenir joueur de foot. Il a beaucoup souffert de sa disparition. On a mis des heures pour rentrer. On nous a demandé où on était parti. On a répondu, on est allé voir la grand-mère de Léo. Vous imaginez le lien qu'il avait avec sa grand-mère pour aller la voir, tout en sachant que c'était dangereux de quitter son quartier? Elle adorait le foot. Elle adorait ça. Une vraie fan. Faute! Faute! Il y a faute là! But! But! Il aimait énormément sa grand-mère, c'est certain. Elle n'a pas pu voir son triomphe. À chaque fois qu'il marque... Il la remercie. Il la remercie. Le signe de la victoire.